Coucou les amis, vous allez bien? Eh bien me voilà sous la pluie comme prévu aujourd'hui. Donc voilà, là je suis sur la petite route qui va me mener à mon camping à Saint-Étienne. Donc aujourd'hui, bon, étape pas trop longue, je crois pas, je sais pas exactement combien j'ai fait, mais d'environ 25 km. Bon, pas de grand centre d'intérêt aujourd'hui. J'étais balade en campagne, on va dire, voilà. En plus aujourd'hui. Donc là, je vais au camping de Saint-Éflamme. Et donc ce matin, comme l'avait prévu la pluie, sans pas tromper, c'était plutôt de la bruine, donc ça va, j'ai bien géré. Et la pluie commençait à tomber à partir de 14h environ. Donc il est 14h, je viens de me prendre une bonne averse. Ça fait un petit moment que je marche quand même sous la pluie. Mais bon, ça reste à peu près sympa. Donc du coup, j'espère arriver bientôt au camping et pouvoir m'installer sous la pluie. Mais bon, tant pis, au moins je serai à l'abri dans ma tente ensuite et ça ira mieux. Voilà, donc j'ai un petit peu abrégé la visite de Plestin-les-Grèves. Je me suis arrêtée quand même au Super U faire quelques courses, j'avais plus rien à manger. Vu qu'hier c'était dimanche, j'avais un peu terminé toutes mes réserves. Voilà, il n'y avait rien de particulier. J'ai quand même vu une statue gauloise au milieu de la ville. Un truc bizarre, voilà, on ne sait pas pourquoi. Voilà. On découpe des choses comme ça. Écoutez, j'ai même fait une petite chanson. J'ai poussé la chansonnette aussi. I'm singing in the rain. Voilà. Écoutez, hein, il faut garder le moral, même quand les dieux bretons ne sont plus avec vous. Les dieux de la rando ne sont plus avec vous. Donc, je vous dis à demain parce qu'aujourd'hui, bon, rien de particulier sur l'étape du jour. Je suis partie ce matin de Morlaix, tranquillement, par les chemins et les routes pour aller, pour venir ici. À Plestin, donc l'étape normalement c'était Plestin-les-Grèves et là je pousse jusqu'à Saint-Éflamme pour être dans un camping en bord de mer, j'espère, mais la mer aujourd'hui, ça va pas être je sais pas, on va voir à quoi elle ressemble. Bon, écoutez, je vous laisse là-dessus, j'espère que demain ça ira mieux. Ciao ciao.